Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, il est vivant, il est ressuscité. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia. Digne.
Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour, tu es digne de louange, ô Dieu. Tu es digne de louange, Seigneur, de toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Tu es digne de louange, ô Dieu. Tu es digne de louange, de toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur Jésus? Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Au ciel, tout le monde va adorer Dieu, n'est-ce pas? Au ciel, tout le monde va adorer Dieu. On est d'accord? C'est sûr, puisque tous ceux qui ne voulaient pas Dieu seront en enfer. Alors, où est-ce que l'adoration du Seigneur a plus de valeur? C'est maintenant. Alors que c'est compliqué, alors que c'est dur, alors que ça ne te tente pas, tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Au ciel, tout le monde adore le Seigneur déjà, les anges. Et nous sommes en train de négocier, de nous battre pour y aller. Et nous devons tout faire pour l'adorer, qu'on soit content, malheureux, de bonne humeur, de mauvaise humeur. On doit apprendre à l'adorer. Et c'est dans cette vie, dans ce quotidien, dans cet effort pour apprendre à l'adorer que Dieu dit, OK, là, ils ont compris. Là, je peux les envoyer. Je peux les recevoir dans ma maison. Amen. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Donc, on est content. On va aller vite aujourd'hui parce qu'on va faire un petit service. Là, on vous a fait une petite surprise. On est content d'avoir avec nous aujourd'hui le frère Rodrigue. Amen. Frère Rodrigue, c'est le... Alléluia. C'est le frère du frère Joseph. Amen. Donc, comme vous voyez, Hochelaga, ça commence à bouger. On est content. Amen. Et pour ceux qui le savent, vous avez vu la vidéo, le frère Joseph s'est fait baptiser au nom de Jésus. Je dis Alléluia. Amen. En plus, c'est ça que ça prend pour aller au ciel. Le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est dans la Bible. Ce sont les apôtres qui le prêchent depuis longtemps. Amen. Mais parfois, les gens nous identifient comme si c'est nous qui faisons cela. La seule chose que nous faisons, c'est que nous avons décidé de suivre ce que la Bible prêche. Amen. Mais maintenant, quand nous suivons ce que la Bible prêche, nous allons avoir de l'opposition. Mais Dieu nous a dit qu'on va être opposé. Et il a obéi. Nous aussi, on obéit. Nous obéissons au message de la Bible. Donc, quand on prêche ce message, ne nous regardez pas. Regardez le Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il était déjà baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui se fâchent contre nous. Vous voulez envoyer les gens en enfer. On n'envoie personne en enfer. Mais quand tu vas être devant Dieu, tu vas répondre de cela. Amen. Très important. Donc, fait que on est content. On a une bonne petite étude avec lui. Et puis, il est motivé. Il invite son frère. On va avoir un réveil. Amen. Alléluia. Je suis content parce que j'ai vu un frère Simplice. Ça, c'est un bon pour notre équipe d'évangélisation. J'ai vu certaines vidéos où il évangélise à Hochelaga, là, son truc là. Lui, il évangélise avec le micro. Donc, peut-être qu'il faut déjà trouver un micro pour lui. Dans les rues. Chacun a son talent. Amen. Amen. Chacun a son talent. OK. C'est ça. Donc, vous pouvez vous asseoir. On aura aussi, n'oubliez pas qu'il y a le voyage à Moncton qui s'approche. Ceux qui veulent venir à Moncton, venez me voir. Amen. Il y a encore, bon, il n'y avait plus de place.